Bonjour, je suis Jesse Waterman de l'école virtuelle. Dans cette vidéo, j'applique la stratégie de communication orale nommée « réagir à l'écoute ». Lorsque tu réagis à ton écoute, ceci te permet de mieux comprendre ce que tu as écouté. Faire des liens aide ton cerveau à retenir la nouvelle information dans ta mémoire à long terme. Pratiquons cette stratégie maintenant. J'ai écouté un balado qui parlait de l'histoire des walkie-talkies. Tout au long de notre histoire, d'ingénieux Canadiens ont créé pour nous des inventions célébrées partout dans le monde. Pour résumer, l'animateur explique que le walkie-talkie est une invention canadienne et qu'il est utilisé pour une meilleure communication entre deux personnes en mouvement. Bon, maintenant que tu as une petite idée de ce que j'ai écouté, on va continuer avec notre stratégie. Alors, j'ouvre la stratégie de communication orale, réagir à l'écoute, et je lis les directives. Après avoir eu écouté au balado, on va compléter ce graphique ici ensemble. Donc le premier, j'ai été impressionné par les intonations que l'animateur utilise au long de son balado. Simple assez. Je comprends maintenant pourquoi. Je comprends mieux pourquoi le walkie-talkie est devenu populaire. J'ai appris que le walkie-talkie a aidé les Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée canadienne a une idée. Ces émetteurs récepteurs pourraient être bien utiles pour nos soldats afin de combattre le... Donc essentiellement, c'est tout ce que tu fais. Tu vas être en train de réagir à ce que tu écoutes. Ça va t'aider à faire des liens entre ce que tu connais déjà et ce que tu as appris durant ton écoute. J'ai remarqué que l'animateur avait bien structuré son balado et tout est à clair. Je me demande si les walkie-talkies vont continuer à rester populaires dans quelques années ou une autre invention va-t-il prendre sa place. J'ai été surpris par toute l'histoire et l'impact du walkie-talkie. Je ne comprends pas pourquoi les walkie-talkies n'ont pas évolué un peu plus pour pouvoir avoir des discussions synchronisées. Je n'avais jamais pensé que c'était l'armée canadienne qui a rendu le walkie-talkie populaire. Et voilà la stratégie. Réagir à l'écoute. Ceci conclut cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. C'est à ton tour de pratiquer maintenant. Bon travail.